Évidemment, si vous prenez une question en parole, c'est réforme électorale. Vous confiez à des gens qui vont se mener à une longue réunion très positive avec la réunion de l'âme jeudi. Et les choses précédentes. Est-ce quelques points secondaires, enfin, secondaires, vous n'êtes pas, mais est-ce quelques points pour finaliser? Et surtout deux points. On corrige ça parce que vous parlez de points là, pas secondaires. Il reste quelques points, mais quelques points seulement. Et parmi ben, quelques points qui restaient là, il y a la question du seuil à partir duquel un parti ou une alliance de parti pour qualifier, 10% ou moins. Et nous sommes bien agréablement surpris qui, dans une ragoula, nous, à ce point-là, bien à l'écoute du pays. Il est bien prendre note de la différence d'opinion qui les met. Et ensuite, il y a le cas spécial, aujourd'hui, il y a un cas spécial, donc on aborde ça aussi. Mais quand je connais la Mme par ailleurs, c'est une avant une consultation avec Serge Claire et d'autres dirigeants politiques de Rodri. Donc vous investissez ça à la lumière de ce qui va nous. C'est les gens de poser que je peux le dire. Bon, presque terminé, reste quelques points seulement, et nous sommes d'accord qu'il y a une grande même directive pour que le State Law Office mette au travail aux préparations du BE éventuel. Pour faire travailler, vous faites travailler toujours et ensuite, bien sûr, vous pouvez attendre le 5 mai, les délais que vous fixez par les ambulances pour que votre représentation rentre. Mais mon autre aspect, si nous finalisons le bill très vite, après le 5 mai et avant la rentrée parlementaire. Là, c'est le souhait. L'un des ce qui nous sommes d'accord, c'est que State Law Office commence à travailler l'opposé de là en attendant le 5 mai. Le gros de ma discussion, donc je dis, une discussion très positive au niveau de la réforme électorale, une bien progressée. Jamais une Maurice n'est dans une situation pareille. C'est la quelle raison qui nous bat telle une discussion. Et finalise les choses concernant les problèmes. Deuxième question qui nous discutait, mais là c'est seulement une début de discussion, vous avez beaucoup les autres enfants, c'est deuxième république. Moi, je vais rappeler, le petit MMM finit toujours en faveur d'une deuxième république. Et ça a suivi d'un deuxième équilibre, d'une deuxième république, pardon, du fondamental, par lui-même. Réforme en profondeur de l'État, c'est quelque chose de très important par lui-même. Et si comme on fait rappeler les discussions de commencer, n'empêche que la priorité des priorités, là, c'est la réforme électorale. Termine toute ma discussion de la réforme électorale, d'ici la rentrée parlementaire, et discussion commencée, mais commencée seulement dans la deuxième république. Mon rappel d'autres aussi, qui deuxième république, qui passe seulement une question d'un nouveau équilibre, un meilleur équilibre entre pouvoir du président de la République et du Premier ministre. Il n'est pas seulement ça, du tout. Il y a un sujet profond, il y a une réforme en profondeur de l'État,
mais inclure un meilleur équilibre entre pouvoir du président de la République et du Premier ministre, mais bien au-delà de ça, les besoins d'approfondissement de la démocratie en général. Mettre mieux protège dans la Constitution la liberté d'expression, donne plus de pouvoir à la commission électorale, vient de l'avoir avec un bon la loi au financement des partis. Tout ça fondamental. Approfondissement de la démocratie. Et aussi, un nouveau départ dans la lutte contre la corruption. De nouvelles institutions, nouveau la loi, nouveau Zimoun, pour qu'il puisse prendre un nouveau départ dans le combat contre la corruption. Donc, il est fondamental comme débat. Bien sûr, un meilleur équilibre entre pouvoir président de la République et Premier ministre, mais il y a bien au-delà. Et il y a un fait qui, lors de la Deuxième République, fumina les désaccords entre le MNM et le RSM dans le passé. Ce que vous tenez à souligner, Deuxième République et un accord éventuel, un même travail, les deux affaires complètement séparées. Même sans aucun considérateur à un même travail, nous en faveur, nous sommes toujours en faveur d'une Deuxième République, et il y a une question fondamentale, une question très importante, la question d'une Deuxième République. Mais les deux affaires séparées, d'une alliance MNM Tax Paris. Et ça, ferme répète ce qu'ils vont nous dire et qu'ils nous amène pas par les dire. Ouais. Pour nous, rendre le gouvernement, diriger le gouvernement, mais avant tout une question de programme. Nous pas intéressés par le gouvernement, ni avec RSM, ni avec Parti Travailliste, ni avec personne, si nous ne programmons pas papier. Et nous programmons en trois mots, je répète, c'est nettoyer le pays, vraiment nettoyer le pays, de la corruption, de tout bon abus, de tout bon scandale, consolider la démocratie, à commencer par la MDC et relance l'économie. Quand nous disons que nous voyons le gouvernement pour faire ça, pour nettoyer le pays, pour consolider la démocratie et pour relancer l'économie, nous minimisons et il veut dire ce qu'il veut dire. Donc, beaucoup de confusion il y a autour d'une alliance et un même parti travailliste, ce n'est pas la qualité. Pour nous, la priorité des priorités, c'est qui la qualité, c'est complète la réforme électorale, engage et finalement complète les débats lors de la Deuxième République. C'est ça que nous avons. Et l'alliance, MNM, Parti Travailliste, pas la fin. Évidemment, qu'il nous tiendra bien longtemps que le Parti Travailliste et le MNM tombent d'accord lors tout un élément d'une Deuxième République. Nous sera pleinement satisfait à cela. Il y a un appel extraordinaire, c'est après la réforme électorale. Nous sommes d'accord
les éléments d'une deuxième réunion. Ceux qui viennent rejoindre Vendredi Ménage à la rue Ambrose de Beaujour, nous comprenons que certains militants viennent y aller avec qui ça causait une radiance et ne même pas du travail. Surtout que ceux qui pas trop bien comprennent les choses, capables de voir qu'il y avait nous faire donner une seconde par du travail pour que tout continue comme maintenant. Mais pas militants, quelques militants qui n'ont pas de voir ça, ils ne peuvent pas comprendre rien sauf. Parce que moi, je ne peux pas rentrer dans aucun gouvernement, ne pas diriger aucun gouvernement si ce n'est pas pour nettoyer le pays, démocratiser le pays, relancer l'économie. Et si un des militants qui ne comprend pas ça, c'est les autres influencés, en tout cas, ils étaient causés, il faut bien ça. Mais en même temps, il y a ce temps, ça. C'est pourquoi vous dire un vrai militant, pas si vous comportez comme on n'est pas du bonheur, vous comportez de taré en cause. Un vrai militant qui connaît le combat de l'ennemi et le combat de Paul Béranger, qui pas si vous comportez comme on n'est pas du bonheur, un pas militant, pas du ennemi, qui ne comportez malheureusement. Le même pas pour prendre gouvernement, pas pour dans le gouvernement, sauf pour appliquer sa programme. Une minute, et il veut dire ce qu'il veut dire. Quant au RSM, pour prendre bien l'autre, depuis cette manigance qui était, de manière de qu'il envoie tout le monde, par les gens qui disent à l'insanité, c'est pas un militant, et même un militant. C'est pas les gens envoyés. Par le RSM. Et ça, maintenant, donc, pour le troisième sujet, c'est le René de Lille. Tout à l'heure, le comité central de l'ANM, pour prendre une décision, il y aura une recommandation unanime du bureau politique de l'ANM pour qu'il nous cancelle le meeting conjoint du premier. À ce stade, le comité central a appelé à prendre une décision lors du meeting du premier mai. Pas le mai. Par le René de Lille. Mais néanmoins, ce qui n'est arrivé à la rue Ambrose, l'autre jour, après un zigzag de Paris d'Agnac, l'autre côté, ce n'est pas en cours, il veut dire ce qu'il veut dire. Et concernant le procès Medpoint de Paris Internet, vous souhaitez sincèrement qu'il y gagne ce bon point de droit. Le judiciaire du français. Mais une faible avec ce bon vilain tactique sans cours. Et s'il gagne, ce bon point de droit, s'il gagne, s'il soit avocat gagné, mais là, la difficulté vous vient en cours. Parce qu'une sécurité qui ne trouvait qu'une affaire pour poser, seulement lui, constitutionnellement, lui n'a pas de pour l'autre banque.
Kamu presiden itu berani diri kamu, bukan dependen. Di sekali sama paling banyak investor kok di dunia hari di gubernur presiden sendiri dan kabinet Peters yang telah penentuan. Di Cimau Tengke, Sahua, Bukeklam, Sajer, Kabinet Peter. Selara menurutnya, Lia Van Gilma, di Sahua, et le fait est, qui depuis mars 2012, gouvernement met à la disposition de Pan Internet, sabar kabinet dia. A tel point il juge Gulbul, madame Gulbul, dans les rangs de son jugement, donc par une directe extrêmement intéressée, vous dire à la cour, autant que je donne-moi ça, l'air, madame là, les rangs de son jugement, en mars 2013, l'idée, there is no life issue left. Penang di Chile, there is no life issue left for CDP Mars 2012. Dengan aku, gubernur jasa bahan kabinet di Belza asuh diskusi. Eh, Madame le Juge, studio le case de Darnac, with cost. Karena naturellement, Fabien Darnac fait rappel, bon jugement, ça juge là, mais bien évidemment, c'est comme on a tous les faits maintenant. Les dentistes appellent succès. Quand ils mettent dit, l'eau le. Cause risque. Taille l'eau. Mais quand ils mettent dit, l'eau cause risque. Tirez un coup. Répétez. Tirez un deuxième coup. Et à ce moment-là, c'est succès. Le 13 octobre 2014. Alors, c'est pourquoi nous nous prenons en l'état. Malgré tout ça, et malgré en gros, le tout, malgré l'Allemagne-Gas, le MSM dans sa contexte d'un incident en gros, malgré ça, nous, aujourd'hui, nous voulons prendre une décision concernant le meeting qu'on fait. Pas l'ordre. C'est moi nous prendre notre dossier, qui a avoir, qui veut prendre une décision, pas l'ordre. Le meeting conjoint, le MSN qui réserve place, toi qui as vu, pour y aller faire un meeting en solo, et en compétition avec Paris Marin. Bon sens. Voilà l'eau. L'actualité brûlante, comme dit l'autre. Elles sont tous sur des trois points d'actualité. D'abord, si tu parles, il faut plus grâce à ces amis. Et ça, c'est un point à cause de l'urgence de la situation qui nous profite. Vos conversations avec Nalina Goulam, vous soulevez la question. Et dans l'urgence, voici, un côté peut tourner à l'autre, on ne se dit pas, ouais, l'autre côté peut perdre des gars,
Vending table and machinery is up. Nous nous sommes articulés, et cela doit être intelligent, la réponse se dissipe. Moi, les arts, les autres, les catholiques, ils finissent par admettre, oui, ils payent sa firme française à 50 millions de vies. 50 millions de vies, ils finissent par payer. Et il va être difficile de deviner que c'est même des intercasseurs. Et en même temps, une bizarre, mais qui est évidemment un État. Il ne faut pas le détecter parce que cette histoire-là, les scatologues ne sont pas contre. Mais il y a un contact mécanisme qui fonctionne les scatologues. L'attitude privée, c'est aussi dégoûtant que l'attitude divine. Un autre petite chose qui révolte moi ces temps-ci, c'est l'attitude et performance de Miss Martin. Malheureusement, jamais il n'y a autant de cas d'enfants abusés, femmes abusées. Le comportement de Mireille Martin, scandaleux. Comme je n'ai pas là pour défendre ça, les enfants abusés, ça va pas m'abuser là. Dites-lui là, pour défendre ce civil, et pour faire des femmes comme ça, comme d'affaires masquées. Moi, je considère ça une véritable crime. Dans le moment que nous payons, nous avons autant d'enfants abusés, femmes abusées. Et vous considérez ça une révolte. Non, je mentionne. Mathieu s'en a acheté là. Quand on va le fouiller, révoltant. Et sa thèse, bébé, sa petite enfant, petit baba, dans l'Est, la Loire, vis-à-vis de la race. Mais tout ça, révoltant, c'est qu'il en est là. Un petit fille, mineur, envoyé dans une école soi-disant spécialisée. Lara qui vient de lui. Il gagne ce baba là. Ça dit jamais arrête, ça vous glace. Après, il fait la scène. Et le colonel ferme dans l'intervalle. Vous pouvez collecter, monsieur. Il est insupportable. Dernier commentaire, c'est le jugement du pré-council dans l'affaire Doufabrika. Doufabrika versus DPP. Moi, mon camarade Doufabrika demande la démission des DPP ce matin. Moi, je comprends rien. Marie jugement. Un grand jugement, un jugement historique le 16 avril 2014. Historique. Pour la liberté d'expression. Nos constitutions déjà solides, nos libertés d'expression. Mais ça, je demande à lui, consolide davantage la liberté d'expression. Un grand jugement. Ça marche, moi, je trouve. Je demande à lui, grand. Mais c'est une vie, la dirige bien. On est démissionné, comment on doit calmement aller. L'État a un document français, s'il vous plaît. Analyse du bureau du directeur des poursuites publiques. Qui sait ça? Et puis, quand le bureau du public, quand une PNNS, il vient à la crise. En français, très bien français, on va dire. Hein? Très, très bien français. En français, et voilà. Et là, là. Et là, ça va faire probablement ça nous l'a pas fini comme ça, ça va être. On a attendu l'occasion. C'est un déboulement dans l'air.
내가 이제 믿지 말고 일로 와 보내주지. 뭔가 그래 도대체 보는데 아니 누가 야구 지도 애초고 용나라 대화와 지도 내가 강제 이래서 하고 그 집을 내신다 voilà merci vous revoir à la liste on va tout à parole nous commençons avec vos médias on va la faire une carrière vous voulez que vous m'avez dit c'est pas la première c'est 23 janvier c'est 23 janvier même pour présenter ou bien le fameux graphique qui est en préparation let's see il nous prépare un très beau document le qui nous y peut soumettre au nom du relais mais nous ne pouvons pas l'expérience je considère le document mais franchement vous discutez dans vous avez la question dans l'euro politique dans la ligne si pas que tu n'arrives là vous disiez après même soumettre le document vous pouvez avoir rapport le document arrivé dans les 6 mois et avec un gouvernement une discussion il y a des rôles mais les pas sans conscience c'est qu'il ne tient pas bien naturellement mais les pas sans conscience c'est qu'il va être pas de se dire nous à travers la discussion nous arrivons à un compromis donc j'ai des rêves de documents qui nous disent vous savez mais vous voulez marcher on va pas discuter là ici moi je vois parce que lundi lundi ça est un jour Pues por el grupo político no va a decir a todo el de paz. ¿Cuál es la cuestión que hubo proposición de deuxième liste a hacer eso que se va? ¿Cómo? Proposición de deuxième liste a... ¿Por eso es un agrego? Un agrego. Dernier point, cuando no se sigue a 20, no se sigue todo la. Nadie va a conseguir un chaco un grupo. Ça c'est un point qui est bon. Mais en disant, à travers nos conversations, mon côté quand il est allé, mon côté quand il est le côté d'ailleurs de l'annonce, de final sheet. Et nous pouvons, même s'il n'est pas 100% ce que nous nous souhaitons, nous pouvons pas le droit à l'homme à l'aise. Pourquoi toi tu peux laisser de 25% comme ça? Alors, excusez-moi sans moi, c'est pas trop connu, PMST, que je vous lisez mon voix. Après, mon père, pas vraiment mal comprendre. Mais il y a une vaste connerie. Après, il y a donc pas moi, ça m'enlève ça. Je dis mal comprendre l'anglais. Donc, là, il raconte des histoires de l'Indémie, il y a de temps parlé à Darbès Cousin, comment il était, et la communauté, etc. Et c'est à lui, recensement. Tu vois? Pas du tout, il y a des changements, nos communautés, nos religions. Et bien, les gens aussi, tu ne restes pas particulier dans sa PMC. Alors, il y a une année, quand il y a des gens qui restent les autres, on dit, on va avoir des conflits. Je ne veux pas de conflits, franchement. Ok, je vous disais pas en connaissance ce que je veux dire, mais j'espère que je ne vais pas vous dire pas quelque chose dans une semaine. Je ne sais pas, si tu as mal compris, je te dis, tu as mal compris, je te dis. Passé à l'immense, on a dit qu'on a dit qu'on a dit volontaire à Moulin, mais là où ça on s'est dit convaincu, oui. Oui, je pensais que le réforme électorale, je pensais, oui, nous, c'est pas amené, mais c'est une responsabilité, mais ça c'est pas amené, ça c'est la responsabilité de l'histoire. Mais oui, je pensais que le réforme électorale, il y a un peu. Comme c'est la guerre en législative de la fin de l'île, c'est la fin de la fin de l'île. Je vais vous dire, enfin, pour une deuxième république, par exemple, on commence à regarder le débat. Mais c'est bien pour la réforme électorale, oui. Je te demandais, est-ce qu'il y a une deuxième rencontre avec la même blanche concernant la réforme électorale ou bien si vous finissez? Oui. Est-ce qu'il y a une deuxième rencontre avec la même blanche? Oui, certainement. On a déjà voulu, mais un bon nombre. Un quelques points à étudier. Sur l'affaire Rodrigue-là, vous ne comprenez pas. Nous avons fait de l'entre-démarrage. Évidemment, nous avons une bien-faire qui coûte d'abord un dirigeant Rodrigue.
c'est tout problème avec nos églises évangéliques. Avec les autres yeux, d'abord je t'ai des députés. Pour les autres circonscriptions, il y en a trois. Pour les questions, est-ce qu'ils les restent comme ça? Mais deuxième fondamental, qui est 10%, qui est 7,5% pour qualifier du vote national, mais quand on voit si vous voulez, vous n'arrivez pas à vous qualifier. Donc, le savoir qui dit ça, vous n'arrivez pas à vous qualifier. Ça va ou bien dire, et là, je ne vous parle pas, parmi nous qui nous restons au bonheur. Et en Allemagne, c'est comme ça. En Allemagne, il y a un État, il y a ce nom, un state, un État dans l'Allemagne fédérale, qui est un régime particulier. Il y a sa propre autonomie, il y a sa propre parlement, et il y a élire un nombre de députés au parlement de l'Allemagne, mais il pas bénéficier de autres systèmes à la proportionnelle. Mais vous avez décidé, peut-être qu'il obéit ce qu'il est d'affaire, peut-être. Ou bien qu'à part d'inventer autre chose, ils ont déjà gagné un pourcentage, vous êtes qualifié, du vote de votre vie. Si vous ne pouvez pas bloquer le là, une bombe qui n'a rien à vous il commence par écoute, manifestant votre vie, et ensuite vous pourrez discuter. C'est pas lui, un point, que vous pourrez discuter. C'est le drame, ça, maintenant, ça, c'est bien. Deux, tout le temps, deux baisses les autres. Pas non, on n'en vient pas, hein. Ah. Il me déjà arrivé que je gagne deux, mais les dernières élections, là, je gagne un. Ben, je vous ai pas dit, moi, je perds, mon corps connaît du père. Je sais ce qu'il fait. Je ne sais pas pourquoi il faut aussi Rodrigue dans l'avenir. Quand on vient de demander qui va nous blâmer, si ça l'écoute, qu'on s'est dans sa feuille du discours, comment vous dire pour là? Ah ben, du clair, si vous voulez, pour... On ne sait pas le mot, il est du clair, qu'il faut entendre certainement nos représentations publiques. Certainement pas 5%, mais on ne va pas l'avoir 10 avec 5%, il n'y a pas, hein. On va l'avoir 10 avec 5% dans le contexte mauricien. Mais tout le temps, nous, ça pas maintenant, depuis toujours. Mais, vous pensez, ça nous dit, moi, je suis à l'écoute, vous constatez qu'il entend. Bien prendre compte et vous pouvez voir s'il y a une nouvelle proposition. Vous pensez 7% pour le coup? Moi, je ne dis pas, je ne dis pas. Parce que Michel Bosé m'a dit. Là, c'est ça, je trouve que c'est l'institut qui me finalisait à dire, je veux dire, il y a encore un million. Si Michel Bosé m'a dit 1%. Hein? Si Michel Bosé m'a dit 1%. Oui, mais vous ne pouvez pas l'envoyer. Et là, c'est vrai que tout ça a été valorisé pour les droits de la vision. Strike un bon équilibre en stabilité gouvernementale et représentativité côté démocratie. À travers le monde, c'est comme ça. Vous avez avec le système proportionnel absolu, moins on gagne, mais le côté stabilité, c'est tout. Donc, le rôle il est ça. Nous, au fil des années, depuis 30 ans que nous avons discuté, nous n'arrivons pas à une proposition qui nous pensait strike the right balance. Souvent, nous sommes d'accord avec MSM Lola. Là, MSM, il a mis une nouvelle proposition. J'espère que c'est sincère. Parce qu'en 2005 aussi, c'est un peu correct. Après, vous pouvez vous mettre dans la route. Bon, là, d'après moi, nous arrivons à une. L'équilibre qui disait la démocratie est stable. Mais oui, il y a un pays, la demande, là, nous nous faisons une dose de proportionnel. Mais il y a un pays comme Pena, full proportionnel. Ça veut dire Pena, vous avez dit que vous avez gagné la pédicite, l'exemple dans la pédicite, Pena, circonscription, et même celle la liste nationale à la proportionnelle. Et moi, je sais que, et dans le parti, il y en a un député. Il y avait un gros parlement, le monde qui est sous-titré, il y a un monde qui n'est pas 400, qui n'est pas 400 députés, qui fait tout ça. Alors, il y en a un parti, il y en a un député. Combien de votes il gagnait? 0,20 du vote national. Mais ça, c'est clairement. Vous en êtes, dans personne va être reconnu de ça. Sans parler, c'est pour qu'ils aient l'affaire. Plus il y en a qui sont encore en 1956.
Oui, avec un prix très formel électoral, si nous venons déjà à l'été. Donc, qui va le point où commence de la réelle Les démocraties. Démocratie en général. Démocratie qui inclut un meilleur équilibre de nos points de vue entre pouvoir du président et pouvoir du Premier ministre. Il ne faut pas assis devant la deuxième République, il ne faut pas assis d'un exercice de consolidation de la démocratie. Merci. Le mauvais gestion, nous concentrons au réforme électorale. Qui pousse en ton sens qui est dans la République unie avant l'élection, avant que celui-là soit mort. Il faut pas avoir tout à fait. D'abord, ils ont fini de discuter. Quand ils ont fini de discuter, les rames ont demandé ce qu'ils ont commencé à rater. Déjà, est-ce que c'est toi qui as pu rater sa réforme électorale là, papa? Bang! Un small joke, ça. Les immédiats nous ont en même temps parallèle. Éventuellement, on va bien dire. Mais nous, on est. Moi, je suis dit, si c'est tout démarré, le réforme électorale. Vous avez discuté, vous êtes tombé d'accord, vous avez un bon débat national, mais pas une intention en même deuxième république. En activité, vous n'êtes pas du tout. Même l'exercice qui n'a pas réformé l'électorale, c'est pour l'État. Et la question, c'est avec MSN dans les barrages, et PRS, tout le monde prend des choses du temps, quel est pourquoi. Certainement, avec PNSD dans les parages, est-ce que si vous gagnez 3 ans éventuellement sur votre deuxième république, à égalité. À égalité. Ben, dans les cas, je suis vraiment je suis content. Hein. Mais après, il y a un point de vue aussi, on prépare la loi au deuxième république que vous pouvez gagner. Prépare la loi, circuler et avoir un mandat de la population à l'élection générale. Et quand le programme est manifestement, vous pouvez avoir la bonne partie, une alliance, n'importe, c'est qu'ils mettent deuxième république dans ce programme, il y a un mandat de l'électorat. Et là, on vient de nous appeler le réforme électorale d'ailleurs. Mais vous pensez le réforme électorale, vous pouvez même faire une différence entre le réforme électorale et le deuxième république. C'est-à-dire que le réforme électorale d'un discipline est détaillé tellement longtemps, tellement consulté là. Mais là, il y a ce côté positif, à l'heure des mandats et de l'affaire à la deuxième république. Mais sans une deuxième république, est-ce qu'il trouve une négociation MMM, travailliste, envisageable? C'est pas fait une MMM là dans la deuxième république? Non, politique cette fois-ci. Ah, ça n'a pas d'actualité. Vous pouvez peut-être passer qu'il faut faire dire. Là, nous présentons un MMM et travailliste. C'est ce qui deuxième république, en détail, en profondeur. Pour moi, une question d'éventuelle alliance, c'est pas d'actualité. Il n'y a pas envie d'actualité, mais chaque chose en son temps. Hein, nous faisons des réformes électorales, deuxième république, nous terminons avec ça. Bon, primé. C'est la santé, là, ce soir. C'est la de santé, là. Ben, le temps que mon âge de tribo, quoi, vous ne finissez pas en prendre qui nous envoie bien mieux. Pas la donner, on l'avait. La sorte qu'elle m'ouvre. Non, non, c'est ça, il ne faut pas les plus vieux. Moi, nous ne sommes pas tout bien réalisés. Et nous verrons devant le comité central pour dire à ce stade, Manuel, le 25 premier mai, on rejoint. Et puis, quand Manuel, le 25 on rejoint, il n'est pas pour diminuer nos collègues, il y a bien un SM. Il y a bien fait tout en l'espace. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire une vote, nous ne pouvons pas faire une décision de le remettre. Mais je le remets mal en point, très mal en point. Et vous avez des éléments qui disent que MSM est la ressource de la maison dans les pays. Mais les enfants, ils me l'ont dit, ils m'ont 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 dit, ils
Et là, on ne voit pas. Mais nous connaissons exactement, et ça est facile. Là. Mais éventuellement, on connaît exactement si c'est l'un et le seul envoyé, si c'est l'un que c'est des masques, et il n'y a pas de droite ou gauche, et nous connaissons ça, les trois militaires, c'est pas là. Mais éventuellement, le MMM peut faire un meeting en solo? Non, pas pour ça. Nous, là, quand on était là, non, pas pour ça. Enfin, le comité central, pour une décision, le là, pour le monde, on y même, il y a un bureau politique, un mardi, pas l'autre. Mais non, pas pour le vrai-même. Ça, l'histoire est pour les trois là, il demande moi. Mais bon, c'est un ennemi, il y a une ambiance extra. Mais là, d'ici les 5 mai, tout va nous prendre la façon pour rentrer, il a fini de discuter. On ne va pas faire des choses à la fois. Mais dans le climat de premier mai, de boum, 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 ça là, il ne s'est tellement pas tué le climat idéal pour finaliser les cours électorales. On ne peut pas croire pour faire un meeting, pour nous contenter de cette manifestation-là. Et ce n'est pas pour diminuer le droit de critique, puis j'ai gouvernement. Moi, j'ai dit, t'en es pas de là. Pour bien avoir un rôle, est-ce qu'il y a une même idée là, une fois que tu as pris, il faut savoir que ça soit. Le grand matin, moi j'y connais. Le grand matin, moi j'y connais. Et moi je vais dire, c'est normal, si tu prenais des expressions. Dans la mesure, quand tu es là, et quand tu es là, il y a qui pas comprend même que tu étais, et une fois, tu ferais même, ça va être trois militants qui manifestaient, t'es minuit. Nous ne comprenons rien, c'est une croix qui nous garde de nous servir pas du travail et que vous continuez pareil. Mais il y a une croix. Vraiment, vous allez là d'abord. C'est que nous ne comprenons pas tout. Après, même pas une réflexion, pas une croix. Et deuxièmement, vous considérez que c'est le temps. Tout c'est le temps qui vous pose une diapositive de l'enjeu avec tous vos combats, tout va être le même. Là, c'est l'un. Non, si nous rappelons le gouvernement avec n'importe qui, c'est n'importe comment il est allé là, c'est pour nettoyer le pays là, démocratie le pays là. Mais bien, et le budget, c'est qu'il veut dire ça. Mais ensuite, maintenant, c'est pas militant, c'est pas né, c'est qu'il n'y a pas d'insanité. Ça, c'est vous dire, non. Quand il explique que tu es content, moi, tu me crois, tu es là. Là, il y a une alliance, il y a un travail, si tu veux continuer. Pareil, il y a un pays, tu me comprends. Parce que c'est intelligent, je crois, mais je me comprends. Le vent d'une insulté du monde. Militant, on veut dire, pas un essai. La plupart, c'est un essai. Mais c'est un des militants qui d'une insulté du monde. Là, il faut savoir du monde. Vous sentez ça, il fait moins du mal, comment dire, ça. Politiquement, pas du monde. Pas du tout sa qualité d'une barque sa qualité, c'est une bonne militante générale, il y en a meilleure, ça va nous. Et voilà. Là, et vous pas dit non, c'est à mon avis. Si nous voulons avoir l'université, nous mettons un programme dans le monde électoral pour cette élection. Si nous voulons nous attendre, laissez la vie exister. Je me demandais si nous avons conversation avec Saint-Michel-Lagna depuis le mercredi. On a une conversation pas très plaisante au téléphone. Mon père a pris ce ton, si tu